se marie à trois ligues. Donc c'est vrai que nous, surtout au début, on a eu peur. Cette appréhension, petit à petit, a disparu. On est allé vers l'espoir. Et je pense que pendant la période de transition, il ne faut pas vouloir uniformiser tout de suite. Je pense qu'on peut garder encore trois régions avec certaines parties identitaires, qui n'empêchera pas d'avoir une harmonie sur l'ensemble du territoire, mais ne pas vouloir aujourd'hui faire de ce qui se passe autour de Mulhouse la même chose que ce qui se passe à Charleroi. On peut très bien chercher une complémentarité aux différences des trois régions et obtenir une harmonie qui, à mon avis, sera positive pour les générations qui suivront et qui n'auront pas ces problèmes d'adaptation. Bon, disons sur les seniors, bon, il nous reste deux ou trois points de détail à régler, donc ça va se faire assez vite. Chez les jeunes, nous n'avions pas attaqué le sujet parce qu'on attendait des infos de la DTN. C'est aussi en difficulté parce que François Blacard va arrêter, il va venir un autre DTN, donc on marche un peu sur les œufs parce qu'il n'aura peut-être pas lui les mêmes objectifs que François Blacard. Donc l'important à mon avis aujourd'hui, c'est de ne pas se presser. Merci beaucoup, Jacques.